Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table vidroliste. Et j'ai envie de faire une vidéo d'un autre problème de joueur. En tout cas, je le voyais surtout avec les jeunes, là, mais je l'ai même vu avec différents types de joueurs. Les distances. Le problème de distance, le problème de comprendre le système de distance dans un jeu de rôle. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'avec certains joueurs, tout est comme à portée de main. T'sais, tu veux aller voir l'aubergiste, tu veux aller à la caverne du dragon, tu veux aller te faire ton épée, tu veux aller voir le roi, tu veux aller à la montagne, tu veux aller à la rivière, tu veux aller sous l'océan. Tout est comme dans le même village, on dirait, dans leur tête. T'sais, genre là, que je m'en vais ici, je m'en vais là. T'sais, pis là, t'sais, tu leur dis, ouais, ça va te prendre 3 jours, aller là. Ah, mais j'y vais. Puis je dis ça à tel. Ouais, mais ça va te prendre 3 jours, elle est là. Puis là, tu sais, on dirait que t'as beau le répéter, mais on dirait qu'eux autres, c'est comme si t'étais à portée de main. Puis là, à un moment donné, c'est un peu capotant. Tu sais, c'est un peu capotant parce que là, tu sais, t'essaies de rendre tes choses cohérentes, t'essaies de faire une histoire qui se tient, mais là, t'as comme le joueur qui vit complètement dans un monde qui se tient pas parce que tout est à portée de main. Tout. Tu sais, virtuellement, t'sais, selon ce qu'ils veulent faire, ben c'est là. T'sais, ils ont juste à ouvrir la porte, traverser la rue, c'est rendu. J'ai vu ça. Ça donne cette impression-là. Ils l'expliquent pas de même, mais c'est de même que c'est, comme on dirait, interprété. Pis ça, je comprends pas l'idée. Surtout que t'sais, les joueurs viennent jouer à du jeu de rôle, c'est parce qu'ils veulent un monde immersif, hein? Ils veulent être immergés dans un monde réel, pis tout ça, pis. Puis là, mais ça, quand il y a le temps des distances, il faut que ça soit à portée de main. Puis c'est ça. Puis tu sais, ça me donne tellement l'impression que quand, en tant que meneur de jeu, tu exprimes une distance en kilomètres ou un nombre de temps que ça te prend à faire telle distance, l'impression que tu regardes le joueur, puis il n'entend pas les sons qui sortent de ta bouche. Ou tu sais, genre, aussitôt qu'on parle de distance, il y a comme un genre de cire qui apparaît dans leurs oreilles, puis que là, ça bouge toutes les informations à ce moment-là précis, tu sais. Fait que là, tu sais, si tu dis au joueur, oui, mais c'est dans 500 km, ben, dans le fond, nous autres, ce qu'ils voient ici, oui, mais pour aller à ton auberge que tu vas aller, c'est dans kilomètres, tu vois, tu sais, il y a comme un blanc, là. C'est là, je dirais 500. Ouais, mais j'y vais pareil. Oui, mais comprends-tu que c'est à kilomètres? Oui, mais tu sais, je rentre là, puis j'y dis là, j'y demande une information. Oui, mais ton auberge n'est pas rendue parce que tu es à kilomètres. Ah, OK. Ouais, fait que je suis pas rendu. Ben non, parce que l'auberge est à kilomètres. Ah, ben là, OK. Mais en tout cas, je vais y aller là, puis le lendemain soir, tu sais, je vais y aller, puis tu sais, dans le fond, le lendemain. Prendre une chambre là, puis le lendemain matin, je vais revenir donner l'info aux autres joueurs. OK, mais tu peux pas revenir le lendemain, parce que t'es à pied, puis l'auberge est à kilomètres. Vous comprenez, des fois, on perd du temps juste parce que on dirait que la distance s'efface, t'sais, le petit bouchon qui bouche l'information, là, t'sais, vous comprenez? Ça, c'est rushant. OK, comment je pourrais dire? Je la comprends pas, puis j'aimerais ça qu'on mette l'air là-dessus. T'sais, autant que les joueurs veulent un monde immersif, puis ils sont déçus si le maître de jeu n'y arrive pas, là. Aussitôt que le maître de jeu il impose la réalité de ce monde immersif-là, comme les distances, ou le temps que ça prend pour, puis c'est ça. Ah oui, je veux forger une épée magique. OK? Selon les règles, ça te prend 2 semaines. Ah! Ben, je la forge, là, puis je la donne à mon chum, là, elle est faite. Non, parce que ça te prend 2 semaines, tu sais, ça devrait être ça. Oui, mais tu sais, je la fais, là, je fais mon rôle, là, puis... Ouais, mais dans le jeu, c'est écrit que ça te prend... Faire ton épée. Ah, ouais, OK, ben c'est ça, mais en tout cas, j'ai réussi mon rôle, puis... C'est ça, tu sais, c'est correct, tu sais. Tu sais, ils ont comme l'impression qu'ils peuvent faire ça dans un après-midi, là. T'sais, on dirait que c'est une contrainte qui n'existe pas. Je comprends pas pourquoi. Puis là, je vais vous raconter une anecdote. C'est sûr que je le vois plus avec mes enfants, ce problème-là. Mais tu sais, justement, c'est une de mes
première game de Star Wars que j'ai faite à la bibliothèque. Écoute, c'était assez épique. Les enfants l'ont pas, mais tu sais, c'était assez épique. La scène est la suivante. Ils sont sur une ville où il y a des casinos, tu sais. Puis ils savent que le boss du crime du secteur, il y a son penthouse privé en haut. Fait que c'est ça. Fait que les joueurs veulent aller le rencontrer. Bon. Fait que là, ils font toutes sortes de plans, tu sais. Fait que là, c'est ça. Il y en a qui y allaient de subtilisation, de prendre l'ascenseur. Ils finissaient par se rendre selon leur plan. Puis, tu sais, je les laissais aller avec leurs idées, tout ça. Puis, là, son idée, c'était OK, mais moi, je vais prendre un speeder dehors, puis je vais monter à vite. Déjà, c'était un peu louche. Pourquoi ils voulaient faire ça? Déjà que c'est le boss du crime. Tu vois quelqu'un qui a un speeder à côté, tu sais, en tout cas. J'essayais de se faire comprendre que, ouais, mais le boss du crime, là. Ça se peut qu'il aime pas ça, mais bon. T'sais, je le laissais aller avec son idée. Fait que là, c'est ça. Fait que là, OK, je prends un speeder. OK. Je le laissais aller. C'est comme séparé du groupe. Les autres faisaient leurs affaires. Ils faisaient leur propre ruse pour se rendre à cet endroit-là. Mais lui, c'était son idée. OK. Les groupes ont quand même pas manifesté. Ils ont pas dit, non, fais pas ça. Fait que, ils l'ont laissé faire. Fait que là, en dehors du casino, un building de 50 étages. Il dit, OK, je prends un speeder. OK, lequel? Ben, j'en prends un. Ouais, mais c'est parce que t'en as-tu un speeder? Il dit, ben oui. OK, lequel? Ouais. Tu sais, ils sont arrivés comme genre pseudo à pied ou en transport en commun. Il dit, ouais, ben, tu prends un speeder. Ah! Oui, faut que tu te prennes un speeder parce que tu n'en as pas. Tu sais, c'était comme à portée de main, le speeder. OK. Là, je le laissais aller. Il dit, il va peut-être, tu sais, je vais payer un taxi, je vais parler un gars, je vais en voler un, je sais pas, tu sais, laisse, je le laissais faire dans son affaire. Et là, non, je vais grimper. Là, je le regarde. Ouais, as-tu réalisé que cette bâtisse était de 50 étages? Fait que là, c'est là que le bouchon s'est fait dans l'oreille du joueur. Et à toute époque que je disais 50 étages, ça faisait... Fait que là, tu réalises-tu que tu veux essayer de grimper un édifice de étage? Ouais, oh, ouais, mais je grimpe, là. Tu grimpes. Bon, c'est un Wookiee, il y a des griffes capables de grimper, mais c'est quand même 50 étages, je te dis. OK, 50 étages, tu réalises-tu comment c'est gros, 50 étages? Comment c'est gros? Étage. Là, tu sais, genre, silence. Ah non, mais moi, je vous grimpe, là. OK, que c'est 5 fois plus haut que l'hôpital à Montréal. Pas à Montréal, mais 5 fois plus haut que l'hôpital à Saint-Hyacinthe, là, tu sais. J'essaie de trouver une référence. 5 fois plus haut. Ah non, fait, quand j'ai dit 5 fois plus haut, ça fait, c'est plus haut que l'hôpital à Saint-Hyacinthe. Ah, mais c'est pas grave, moi, je grimpe. OK, puis il y a du monde qui peut remarquer ça, là. Un Wookiee freak qui grimpe un casino, là. Pas de trouble. OK. J'ai fait faire son test, là, tu sais. Puis il avait réussi. OK, c'est correct. Et je dis, ben là, tu risques d'être essoufflé en haut parce que c'est quand même l'étage. Ah, ben, je l'ai fait. OK. Fait que là, correct. Il réussit son test. Mais là, tu sais, là, on grimpait 50 étages. Fait que pendant ce temps-là, je faisais plein de scènes avec les autres. Les autres étaient déjà rendus parce qu'ils avaient trouvé des ruses, tout ça. Je voulais pas décourager le jeune avec son entrain de vouloir grimper 50 étages, mais j'essaie de faire un monde immersif, un foutu monde immersif, dans lequel il y a certaines règles de réalité qui sont là. Fait que j'ai comme retardé le moment où il allait apparaître 50 étages plus haut, OK? Fait que là, Manny se demandait pourquoi qu'il jouait pas. Il dit, ouais, mais t'es dit, attends, presque présentement, tu voulais vraiment grimper étage. Et je sais pas si tu réalises à quel point c'est beaucoup c'est beaucoup, ah, même le mot beaucoup. Je ne sais pas à quel point tu réalises que c'est étage. Ah ouais, mais là, j'arrive-tu? Ben, pas tout de suite. Ah ben là, ben ouais, mais tu avais juste à faire autre chose. C'est toi qui as décidé, c'est ton choix. Tu as décidé de grimper étage. Tout ça reste là, il y a un build-up, différentes scènes qui se passent dans la question. Peu un moment donné, je décide, ben, faudrait bien qu'il arrive. Fait que là, la super scène, il y a un Wookiee dans la vide du penthouse. Il est arrivé! Bon. Fait que là, ça fout le bordel, il veut péter la vide. Pour aucune raison, évidemment, c'est un jeune, pis tu sais, l'autorité, il y en a qui défendent ça, les pauvres joueurs, là, qui pourraient faire ce qu'ils veulent dans le jeu de rôle. Non, vous avez pas raison. Et de toute façon, c'est ça, t'es le boss du crime.
OK, à part d'avoir l'étiquette boss du crime, ce gars-là, dans l'aventure, il n'avait rien fait à ce gars-là. Fait que, tu sais, tu ne l'écœures pas. Ben, il a décidé de faire ça. C'est correct. Ça a mis de l'entrée dans la game. Tout le monde était bien content. Excellent. Fait que là, ça se bat. Bing, bang, bang, bang. C'est ça. Puis là, à un moment donné, l'histoire du 50 étages, 100 50 étages, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un droïde de combat qui se bat contre ce joueur-là. En fait, même c'est un joueur contre joueur. Le droïde, c'est un joueur. Puis ils ont décidé qu'ils voulaient se battre ensemble parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur quelque chose. Je les ai laissés faire leur propre querelle. Puis c'était bien drôle. Fait qu'à un moment donné, le Wookiee qui a grimpé l'étage a l'excellente idée de pogner le droïde et d'être pitché en bas du étage. Ah! Dans ma tête, je me dis, il y a peut-être un indice qui réalise que c'est enfin 50 étages, peut-être qu'il réalise, pour péter le droïde. OK? Fait que là, la scène, le pauvre droïde tombe de 50 étages, explose en bas, tout ça, puis en tout cas, tu sais. Fait que là, jusque-là, ça va. Puis là, le Wookiee, pour être sûr que le droïde ne revienne plus, décide de se passer la tête du haut du 50 étages, de pogner son arbalète Wookiee, puis dit « Je veux détruire le droïde qui pète en bas parce que je veux être sûr qu'il ne revienne pas. » OK. Est-ce que tu réalises que étage plus bas, tu le vois probablement pas, surtout d'une ville avec un casino qui a plein d'affaires qui se passent. Tu le vois pas aussi. C'est quand même étage. Ouais, mais je le tire là pour être sûr qu'il revient. Ouais, mais tu le vois pas. Mais comment ça, je le vois pas? C'est parce que il est plus bas. Ouais, mais là, je le tire là. Je dis, ben là, maintenant, j'y fais gober. Je fais le maître de jeu tyrannique qui n'a aucun scrupule à l'être. À dire, asti, il est 50 étages plus bas. Tu le vois pas! Pas du son de même, mais dans ma tête, ça sonne de même. Il est comme Colin, qu'est-ce que tu comprends pas? 50 étages! 50! Bon. Fait qu'il dit, je saute en bas. OK. Tu réalises-tu que tu viens de sauter en bas de étage? Fait que là, non, ça va, tu sais. Mais là, c'est ça. Lui, c'était pas pire, sa classe de personnage dans le jeu. Faire des cascades improbables. Tu sais, il y a plein de speeders qui passent à faire de même, tu sais. Jusque-là, ça s'achète, ça fait Star Wars, tu sais. Fait qu'il réussit son jet, tout ça. Fait qu'il s'accroche à un speeder qui passe par là, tu sais. Jusque-là, ça va. Fait que là, il décide de le tirer encore, le droïde, mais tu sais, il était peut-être pas tombé de tant d'étages que ça, tu sais. Il fallait mais quand même qu'il s'accroche d'une hauteur où qu'il pouvait peut-être survivre, genre, là, tu sais. J'essayais d'être cohérent. Monde immersif, ce qu'on exige de moi quand je suis maître de jeu, hostie, c'est d'arriver avec un monde immersif que le monde va y croire. Fait que, voulant être tyrannique et de prendre des décisions de maître de jeu, ben, il n'est pas tombé. Le speeder qui est tombé dedans n'était pas au premier étage. Hein, il était peut-être à moitié. Là, j'essaie de trouver, je veux tirer le droïde. Ouais, mais le speeder va super vite. Là, tu es maintenant à étage, puis le speeder va à tant de millions de kilomètres heure. Ah, mais je le tire pareil. Ah! Qu'est-ce qu'il comprend pas? C'est comme si, depuis le début, ce jeune-là, c'était comme s'il montait debout d'une chaise, le casino. Puis c'est comme s'il redescendait d'une chaise. Peut-être qu'il s'imagine avec ses figurines. Peut-être parce qu'il réalise pas c'est quoi 50 étages. Peut-être qu'il n'est jamais allé à Montréal de sa vie, qu'il n'a pas vu c'est quoi un building de 50 étages. Peut-être qu'il faudrait que je l'amène à Toronto, que je le mette en haut de la tour du CN. Je dis, regarde en bas sans dégueuler. Regarde en bas sans dégueuler, elle se dit. Puis s'il arrive, il va dire, regarde, c'est ça 50 étages, OK? Tu le vois-tu le 25 cents que je viens de descendre en bas? OK, tire dessus. Ah! Pourquoi cette maladie-là existe parmi les joueurs? C'est quoi cette histoire-là? Tout à portée de main. C'est-tu les jeux vidéo qui pervertissent nos jeunes? Hein? Le fait qu'au lieu de courir dans des prés sans fin pour se faire une idée des distances, ils sont tous avec des petits pitons puis que Mario Bros tombe de plein d'étages puis qu'il n'y en a pas de problème. C'est quoi ça? Ouais.
C'est ça. Je pense que les jeunes ont besoin de sortir dehors un peu plus, de se péter la gueule en bas du mobile un peu plus souvent, comme moi quand j'étais petit, puis que je tombais en bas, puis que je perdais mon souffle, astie, parce que je tombais en bas du module très dangereux, années 80, fait en bois, fait avec des tires puis des vis qui sortaient, parce que c'était ça, notre jeunesse. Hein? Que quand j'étais en char avec mes parents, ben j'avais pas de jeu vidéo pour passer le temps, fait que je regardais par la vitre et je regardais le temps passer, fait que j'étais capable de me faire une idée que, hostie, aller dans Gaspésie, c'est loin en hostie. C'est-tu parce qu'on est rendu là en tant que société? Hey, ça déborde de mon super sujet. C'est pas grave, je reste fâché, hostie. C'est quoi? C'est quoi cette espèce d'affaire de tout vouloir à portée de main? Hein? Aller dans l'autre pays, c'est 500 km. 50 étages, ça se grimpe pas. Tu tombes pas de 50 étages. Tu peux pas voir un droïde péter en bas de 50 étages, surtout quand il y a plein d'affaires. Tu peux pas forger ton épée. Ça te prend 2 semaines. C'est écrit, c'est quoi ce 2 semaines? Ben, Chris, c'est 14 jours, 14 fois 24. Fais le calcul en nombre d'heures. Veux-tu le faire en nombre de secondes? Parce que t'as de l'air de vouloir marcher en secondes. Bon, non, ça, en après-midi. Tiens, ça prend un après-midi forger une épée. Fait que là, ça te prend 3 heures. Mais combien de fois 3 heures rentre en 2 semaines? Ben, rentre ça dans ta tête. Fais le calcul. Est-ce que le monde sont si impatients que ça dans leur vie pour faire en sorte que dans le jeu de rôle, ils sont pas capables de réaliser que ces gens-là, dans un monde immersif, vivent avec une réalité qui a des étages puis qui a du temps puis peut-être eux autres sont pas mal plus zen par rapport au temps qu'ils attendent plutôt que le joueur qui est trop impatient? Oh! Distance, temps. Wow! Merci à tous ceux qui m'ont fait des démonstrations de ne pas réaliser que tout n'est pas à portée de main pour pouvoir me pomper de même à soir. Ça fait du bien. Puis là, commencez pas à défendre des points de vue puis les pauvres petits joueurs. Il y a tout le temps du monde quand je pogne les nerfs par rapport à l'invisibilité puis l'autorité. Tout le temps du monde qui vient défendre. Arrêtez de défendre. Si quand je pogne les nerfs, j'ai raison. Bye!